Salut à tous, c'est Adran, j'espère que vous allez bien, bienvenue sur ce tout nouveau Let's Play, on va jouer ensemble à Rise of the Tomb Raider, donc le jeu qui est en exclusivité Xbox One, qui est sorti aujourd'hui sur PC, puisque nous sommes le lendemain de la sortie du jeu. J'espère que vous allez bien, on est parti de retour avec Lara Croft dans sa prime jeunesse, et nous allons voir son ascension, son Rise. Tout de suite. Voilà, en mode normal. Qu'est-ce qui pousse quelqu'un à franchir les frontières de l'expérience humaine, à affronter l'inconnu? Quand on est enfant, on pose des questions tout le temps. On apprend, on accepte. Et peu à peu, on perd notre sens de l'émerveillement. Sauf certains, les explorateurs qui cherchent la vérité. Ce sont ces pionniers qui dessinent l'avenir de l'humanité. Ces gars-là, ils sont cuits. On n'arrivera pas à les convaincre de nous emmener là-haut. La cité perdue est dans ces montagnes. Ça va pas être une partie de plaisir. C'est pas ce qui va m'arrêter. Je me doute. Tu devrais rester là, avec eux. Ouais, compte là-dessus. Ah, on est dans le vif du sujet en plus. Juste. Sous-titres. Activés en couleur pour vous. Voilà, au moins. En tout cas, nous sommes dans le vif du sujet. Je suis avec mes piolets au calme. Il y a presque. Tu vas être contente d'être montée, Lara. Attrape ma main. Merci. Regarde-moi ça. C'est incroyable. Mais la neige qui tombe de ces pics, c'est mauvais signe. La piste mène au sommet de la montagne. Le sommet de la montagne. Belle vue sur la vallée de l'autre côté. Bon, pas de geste brusque, hein. Qu'est-ce que ça souffle? Faut surtout pas qu'on s'arrête. J'imagine. Même si on découvre rien là-haut, ton père aurait été fier de toi. Je sais, mais je crois qu'on est sur la bonne piste. Bah ouais, si tu le crois, vas-y, fonce. Ça c'est rigolo, oui, j'aime bien la gestion qu'ils ont des traces de pieds. Oh, attention! Est-ce que ça va? Ouais, on va y aller doucement ici. Ah bah... 100% sûr qu'il y a un truc qui va se casser la gueule, et voilà. Ouais. Trop ouais, ouais, ouais. Je peux remonter toute seule. T'en es sûr? Bouge pas. Ça c'était sûr, hein. Oh, double piolet pour deux fois plus d'escalade. Clink, clink. Au moins, elle a les bonnes chaussures. Ah, oh merde. Alors, pourquoi je passe par. Faut que je passe par là, peut-être. Des stalagmites. Wallé. Il y a eu le petit. Il va falloir que je saute. Ouais, c'est ça. Maintenant, prends ma main. Et ben non. Il y a eu le petit bouh à la Michael Bay pour dire fais gaffe, il faut que tu l'attrapes pas, tu tombes. Peut-être devoir virer un petit peu de synchro vertical, j'ai des petites chutes de FPS de temps en temps, je pense que vous les voyez. Je pense qu'il faut que je saute de plus haut aussi.
rattrape. Non mais attendez, foutez pas de ma gueule. Alors moi je suis pas trop débile non plus, je pense que... Non mais... Lara, t'es sérieuse? Aide-moi un peu. Regardez, des fois elle veut pas. Hop. 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 Ok, faut qu'elle se mette en stance, enfin en position. Sinon elle ne saute pas. Genre là. Ouais, il faut qu'elle se mette bien en stance, c'est bon. Je vais faire un saut dans cette direction. Est-ce que ça va? Ouais. Allez, viens. Je me rappelle plus si Jonah était dans le 1. Il va bien falloir qu'on passe. Est-ce que Jonah était dans le 1? Je sais plus. Pas mal. Si tant se gâte, on pourra toujours se réfugier ici. Tu crois vraiment qu'on va trouver cette cité perdue? Je sais que c'est pas la plus fiable des infos, mais ce vieux guide a dit qu'il avait vu des ruines dans les montagnes. Ouais, je pense qu'il va falloir enlever un peu de synchro vertical. Oh, je fais ça tranquille, hein. Peut-être avoir une petite saute. On va pas paniquer. Voilà. Alors la synchro verticale c'est bien dans certains jeux, dans d'autres ça l'est moins bon. Ouais. Si je voulais cacher une ville tout entière, je choisirais un troupeau mais comme celui-là pour le faire. J'espère que les trinitaires n'ont pas été plus rapides que nous. Les triniki? Qu'est-ce que t'en penses? On touche au but, Jonah. J'en suis certaine. Encore un petit effort et on y est. Très bien. Allons voir ce qu'il y a là-haut. Ça m'a l'air solide, mais... reste quand même près du mur. Ok. À partir de là, il va falloir grimper. Attention aux morceaux de glace qui se détachent. Ouais, t'es prêt? Allez, c'est parti. Hop. Alors, je veux pas dire, mais je le ferai pas, mais clairement là... Oula. On va progresser tout doucement. Reste avec moi. Tout doucement. Fais-moi une. T'es trop près l'autre. Je fais des trucs. Nickel. Oula, ouh le chute de framerate. Il va y avoir un truc de fou qui charge. Ça. Sérieux, du coup, c'est les chutes de framerate me font m'indique que je vais avoir un petit événement. Ça peut casser tout le mythe. Hein? J'appuie sur E.
tombe pas. Et là, vra, la glace se casse. Jonah, on a réussi. J'aperçois les ruines. Vite. Merde. J'ai pas fait exprès de sauter, je voulais pas sauter, je voulais appuyer sur espace en mode je croyais que c'était une QTE, il fallait que je saute pour me rattraper et non en fait j'appuie sur espace ça a passé, merde. My bad. Les mauvais réflexes. La corde t'échappe. Bah je grimpe. Salut. La transition était un peu abrupte quand même. Oh putain! Encore un avion, mais ils en ont pas marre. Oh, attention, ça glisse. Bonjour. Accroche-toi à ça. Il y a ça. Glisse. Oh oh. Aou. Oh non. Salut. Monte. Ouais, pourquoi j'ai autant de chutes de framerate d'un coup? Oups. Mauvais saut. Pourquoi j'ai autant de chutes de framerate? T'es sérieux là? C'est Fraps qui déconne ou... Bref, faudra que je fasse des optimisations et peut-être 2-3 trucs. Mon Proco n'aime pas trop avec mon Fraps qui tourne. Mais ça sera réglé pour le prochain épisode. Cours Lara, cours. Surtout ne t'arrête pas. C'est pas le moment. J'ai mâché eux comme un mongol. La pire des cruautés qui nous sont infligées est la brutalité avec laquelle la vie se termine. Vieillissant, nous déclinons, nous mourrons. Et quelles traces laissons-nous derrière nous? Des os? De la poussière? Que devient notre âme? Est-ce qu'elle quitte notre corps pour continuer à exister? Je pense que c'est le cas. De nombreux mythes et légendes reposent sur une vérité toute simple, pas une vérité scientifique, mais quelque chose de plus profond. Le secret si bien gardé de la vie éternelle. Je pense avoir découvert une nouvelle pièce du puzzle. Mais je ne suis pas le seul à poursuivre cette quête. Ils me suivent, ils épient chacun de mes pas. À présent, je sais qui ils sont. Les Trinitaires. Une ancienne secte aux méthodes violentes qui cherche à contrôler le devenir de l'humanité. Je dois agir avec prudence pour protéger ma famille. Si par malheur quelque chose arrivait à Lara ou à Anna, jamais je ne pourrais me le pardonner.
attendais pas. Mais qu'est-ce que tu fais là? Il y a encore un article sur toi dans la presse à scandale. Je me suis dit que tu aurais besoin de parler. Foutaise. Tu as été suivie? Suivie? Mais bien sûr que non. Qu'est-ce qui se passe? J'ai enfin trouvé le tombeau. Tu ne parles pas sérieusement, j'espère. Le mythe du prophète est bel et bien réel. Papa avait raison. Lara, ton père était... perturbé. Non. Il était sur le point de faire une grande découverte. Une preuve tangible de l'immortalité de l'âme. Tu sais que j'aimais Richard. Je l'aurais épousé s'il avait voulu. Mais il était en piteux état. Je ne veux surtout pas que tu finisses comme lui. Mais Anna, il avait raison. Ce sont tous les autres qui se trompaient. Le tombeau est en Syrie. En Syrie? Oh non, Lara! Pas ça! C'est de la folie pure! Il faut que tu te ressaisisses. Tu vas rentrer au manoir. Tu sais bien que je peux pas y retourner. C'est cette obsession qui a détruit ton père. J'ai été témoin d'une chose. Une chose que... je croyais impossible. Maintenant, je sais exactement ce que ressentait papa. Ce ne sont que des légendes. Des contes de fées. Ne t'engage pas dans cette voie. Tu sais très bien où elle mène. C'est la seule chose qui ait du sens à mes yeux. Je vais trouver le tombeau du prophète, Anna. Bon. À partir de maintenant, on est en zone de conflit. J'espère que vous savez ce que vous faites. On y est presque. On devrait tomber sur une oasis dans le canyon. Vous perdez votre temps. Y a rien du tout là-bas. Je vous demande juste de m'y amener. C'est vous le chef. J'aime pas ça du tout. C'est juste... c'est la milice locale. Vous leur avez pas dit où on allait? Ils m'ont donné plus d'argent que vous. Espèce de... Ils étaient pas censés nous canarder. Sortez-nous de là! Merde! Oh non! 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 Ok. Bon, comme d'hab, tu prends tarif, hein. C'est dommage que ce soit aussi timbré. Mais il me semble que papa en parlait dans ses recherches. Le tombeau du prophète serait caché dans les falaises au-dessus de l'une des cités perdues. D'après la légende, le prophète aurait été enterré dans une oasis. Tu fais gaffe, ça a pas l'air méga solide, hein, Lara. Bon, après, tu fais ce que tu veux. Voilà. J'ai envie de te dire, je t'ai prévenu. Oula. Bon, là, je peux pas, par contre, hein. Je le savais bien. Je crois que je t'ai enfin trouvé. Attends! Attends! Il y avait un truc à droite! Eh merde! Ah non, je peux.
Là, y a rien de caché. Hey, hey. Une icône religieuse, très détaillée et incrustée de pierres précieuses, byzantine. Joli panorama. Pourquoi tu fais pas du fric avec tout ce que t'achètes? Pourquoi tu fais pas du fric avec tout ce que tu trouves? Tu me diras sûrement comme ça que ton père était riche. Il est pas devenu riche en se touchant la bite. Un stick fluo. Wouh! Extraordinaire. Des inscriptions en langue ancienne. Ça ne va pas être facile de les déchiffrer à la volée. Mais je reconnais ce mot. Prophète. Nous y voilà. Papa avait raison. Et tu comptes l'amener avec toi pour la traduire, MDR? Sur E pour traduire. Ça ressemble à un indicateur. Un décryptage du grec. Mais je n'y comprends rien. C'est le prophète, en pourparler avec une armée ennemie. Il les a convaincus de déposer leurs armes. Ah, pour améliorer vos compétences linguistiques. Il a guidé ses fidèles dans le désert, vers une oasis. Tu sais que tu deviens presque une fanatique religieuse, là. Ah, je suis bientôt grec niveau 1, je vais pouvoir déchiffrer le... Il y a un trou. Une porte secrète. Oui, bah attends deux secondes. Toujours aucun signe d'elle. Je pense qu'elle a pas survécu au crash. Ok, traînons pas. Constanta veut entrer dans ce tombeau avant la nuit. Ils cherchent le tombeau. Il faut que je le trouve avant eux. Ok, c'est lui là. Il guérit miraculeusement les malades. Ça, c'était mentionné dans les notes de papa. Voici les miracles accomplis par le prophète de Constantinople, injustement exécuté par les membres de l'ordre de la Trinité. Tu veux dire les Illuminati, hein? Mon grec est encore un peu rouillé, mais ça indique quelque chose de caché, près d'ici. Je vais noter les emplacements. Qu'est-ce que c'est que ça? D'accord. Bon, je sais pas si j'ai raté quelque chose, mais... YOLO. Comme ça, tout le monde peut te suivre. Papa pouvait voir ça. Un arc-en-ciel. Ah, oups, j'ai mis sur E pour essayer de... Oh, d'accord, je vais faire un wall jump à la Mario. Oula. Mais les couilles, je voulais qu'elle saute là où il y avait une... Ah, wall jump. Genre là-haut, c'est pas là-haut qu'il faut que t'ailles? Parce que là, ça va s'effondrer là où t'es. Alors, voilà. Ah, ben voilà, tu vois. Quand tu veux, tu fais ce que je veux. Plouf. Bon. Voilà, fais un wall jump. Ah non, ils sont déjà là. Et comment ils sont rentrés? C'est de la triche. Ils ont un hélico. Oh. Bon, niveau discrétion, on repassera.
Et d'où tu sors ton deuxième piolet là? What? J'avoue, j'ai pas compris. Elle a bien qu'un piolet là. Hop, ok. Living in America. Oh putain. Bon, pour la discrétion, tu repasseras. Si Liku nous a pas encore vu, c'est qu'il est sacrément con. Ah, me suis écrasé. Bon, va peut-être falloir que je me concentre un petit peu parce que là, à part faire des morts de merde, ça sert à rien. Parfait. Hop. Ok. Les membres de l'ordre de la Trinité ont pourchassé le prophète et son peuple sans relâche jusqu'à ce qu'il les retrouve. Fais gaffe au scorpion. Elle est déjà dans un état un peu dégueulasse quand même, la pauvre. Et la boue. Merde. Allez, quoi. Boue. Je l'avais dit, hein. Fais gaffe, les scorpions, ça pique, hein. Salut. Une bataille a eu lieu ici. Des soldats en armes contre des pèlerins croyants. L'ordre de la Trinité. Aumône. Aumône pour un pauvre. Mon fils. L'ordre de la Trinité a appris que les fidèles du prophète construisaient un grand tombeau dans une oasis aux abords de Béroréa. Mais ce n'est pas tout. Nous pensions qu'ils bâtissaient ce tombeau pour leur prophète. Auriez-vous échoué? Est-ce que vous serez des échecs sur pattes? C'est un tatou ce qu'on a vu, on est d'accord, je suis pas trop court encore. Je sais pas où il est caché, mais... Le prophète... Exécuté par les membres de l'ordre de la Trinité. Bon sang, j'étais presque. Watch, c'était moins une. Et c'est sur toi que ça va retomber. Je sais pas si ce que je fais est une bonne idée, mais je le fais. Vu que ça marche, il doit bien y avoir un moyen de faire tomber cette vieille plateforme. Bah, tirer dessus. Pourquoi refuses-tu de tirer dessus? Au niveau discrétion, tu repasseras, hein, par contre. Ah, j'ai pas l'infini sur la flingue. Oh, c'est sympa! Ron, dépêche-toi, je crois qu'ils sont derrière toi. Je vais pas recharger. Ah, t'es déjà. Bonjour. Tombe pas trop vite. Ah.
Je pense que t'as gagné le droit de te dépêcher. Phew. Elle était bonne, j'espère. Mon Dieu, c'était une brouillard de Dark Souls. Incroyable. On a réussi, papa. Il faut que je trouve un moyen de grimper. En faisant monter le niveau de l'eau, peut-être. Bah, me spoil pas. Je peux pas monter là, je suppose. D'accord, je peux pas monter là. Je suis obligé de faire monter le niveau Inslow ici. Peut-être que je peux casser ce mur. Oui, j'avais bien compris, ma chère Lara. Oh. Attention, il y a des crânes. C'est les copains du crâne de Bob Lennon. Oh. Oh. Heureusement qu'on est dans une oasis, hein. Sinon, je me demandais comment en Syrie ils ont autant d'eau. C'est quand même une région assez désertique. Hop. Hop, bonjour. En effet. Bon sang, ils vont réussir à entrer. Maître, ce que vous dites est impossible. J'ai moi-même plongé ma lance dans le cœur du prophète, je l'ai vu mourir. Ses fidèles auront sans doute vêtu l'homme de ses habits cinglatés pour perpétuer ses mensonges. Ils sont brisés, discrédités et exilés. Nous allons faire route vers le sud et passer le reste de son peuple au fil de l'épée, mais le prophète est mort, je vous le promets. Impossible. C'est impossible. Impossible n'est pas le prophète apparemment. Je chevauche à la tête d'une petite troupe de fidèles armés et dévoués, et j'ai de bonnes nouvelles. Nous avons trouvé le tombeau du prophète. Des fous portant sa marque nous ont attaqué sur la route, mais nous les avons maîtrisés sans peine. Nous avons laissé s'enfuir un et nous l'avons suivi jusqu'à l'oasis. J'ignore si le prophète a survécu ou si un autre porte ses habits, mais ça n'a pas d'importance. Tous ceux qui se trouvent ici vont mourir et ça en deviendra réellement un tombeau. Petite troupe. Je vais plutôt pouvoir lever la bombe grecque. Je prends mon temps, mais moi je me balade. Hop, bon apparemment je pense que j'ai pas oublié grand chose. À moins que... En fait non, je vais dans la bonne direction, quand tu vas par là. Ouh, accroche-toi. Pire c'est que je l'avais vu la marque rouge. J'ai essayé de sauter au-dessus, mais le jeu m'a dit non. Le jeu lui donne raison, parce qu'on est quelqu'un de cool. Salut. Maître. Les derniers fidèles du prophète sont retranchés dans son tombeau. Nous avons montré,
monter notre camp à l'entrée, nous préparons à attaquer leur barricade. J'ai aperçu l'homme qui prétend être le prophète avant qu'il ne scelle les portes. Et je dois admettre que leur ressemblance est frappante, mais c'est impossible. Peu importe, ils seront tous morts avant l'ordre de la Trinité va mettre un terme à cette hérésie. Faut faire monter le niveau de l'eau. Ce mur est friable. Je devrais pouvoir le transpercer. En fait, au final, t'es plus là pour saccager les tombeaux qu'autre chose. Tu pourrais au moins l'avouer. Ah bien. Et là, en fait, il y a quelque chose ou c'est juste un appel d'eau, Moi, pas comprendre ce que doit faire. Peut-être que je trouve si un poids. À grimper sur cette poutrelle. Non, mais ma grande, en fait. Je voulais que tu montes là. Non, remonte. Salaud. En fait, c'est plus là que j'ai envie que tu montes. Tu peux pas. Bon, mauvais. C'est un truc sous l'eau. Apparemment pas. J'arrive pas à le pousser ça. Fuck. Donc là je fais ça. Fait l'event à la con. Voilà, normalement il y a ça qui se met là. Et là. Oh. Merde. Bon, en tout cas j'ai compris. C'est déjà pas mal. J'ai compris ce qu'il faut que je fasse. C'est déjà pas mal. Là, hop là. Vous n'avez pas honte, mademoiselle, tout ça pour arriver là? Saccager un tombeau entier? Enfin. Il est vide. Posez les explosifs. Le tombeau du prophète. Après tout ce temps.
Et l'artefact ? À l'intérieur, si Dieu le veut. Ouvrez-le. Doucement. Ça pourrait être extrêmement dangereux. Vous êtes qui, vous ? Vous êtes une femme intelligente. Je pense que vous connaissez déjà la réponse. Les Trinitaires. Allez, donnez-moi l'artefact. Je ne sais pas de quel artefact vous parlez. Ne me prenez pas pour un idiot. C'est vous qui nous avez conduits ici. Écoutez, le sarcophage était vide à mon arrivée. Il n'y avait pas de corps et absolument aucun artefact. Bande de putes! Aïe. Mais je voulais le fouiller avant en fait. Pour moi, je vaut mieux pas que je le fouille, sinon je me prends un caillou sur la gueule. Youhou! Accroche-toi. J'ai appuyé sur E avant. Toi que tu puisses t'accrocher, alors fais pas la conne. Oui, mais je fais aussi vite que je peux. Accroche-toi, accroche-toi, accroche-toi. Et cours pour ta putain de vie. Cours. Oups. Ah oui, d'accord. Faut dire qu'il m'a détruit la colonne. Jonah! Lara! J'ai tellement de choses à te raconter. T'as trouvé le tombeau du prophète? Oui, mais j'ai été suivie. Quoi? Mais par qui? Ils se font appeler les Trinitaires. Ils ont essayé de me tuer. Qu'est-ce que c'est que cette histoire? Tu commences à me faire peur. Le tombeau était vide, mais je crois qu'ils étaient venus pour la source divine. L'artefact après lequel courait ton père? C'est pas tout. Il y avait ce symbole dans le tombeau. Je me suis torturé l'esprit pour retrouver où je l'avais déjà vu. Et d'un coup, ça m'est revenu. Je l'ai vu ici, dans un des livres de mon père. C'est là, écoute. La cité perdue de Kitej, située en Sibérie. La cité aurait disparu dans le courant du XIIe siècle. Selon la légende, lorsque la horde mongole est venue envahir Kitej, elle a été engloutie sous un lac. Quel est le rapport avec l'artefact du prophète ? C'est le même symbole. Lara, t'es... Si la source divine est cachée quelque part dans les ruines de Kitej, à attendre que quelqu'un la découvre, alors il faut que j'y aille. En Sibérie ? Tu te fiches de moi ? Réfléchis un peu. Si cet artefact est la clé du secret de l'immortalité, tu sais, ça remettrait tout en question. La maladie, la souffrance, la mort, t'imagines ? Non mais est-ce que tu t'entends parler ?
Jonah, on a traversé tellement de choses ensemble. Tu sais qu'on est entouré de mystères. Tu veux pas savoir? Mais je m'en fous pas mal de savoir. J'ai perdu presque tous mes amis. Je veux pas te perdre toi aussi. Mon père n'avait pas fait le lien avec qui t'ai-je. Tu sais qu'il a tout abandonné pour ça. Toi y compris. Arrête de t'en vouloir pour ce qui s'est passé. Il est l'unique responsable. Je vais pas laisser tomber. Pas maintenant, c'est tout ce qui me reste. N'importe quoi! Si t'arrêtais de t'agiter 5 minutes, tu t'en rendrais peut-être compte. Jonah? N'essayez pas de nous arrêter! Putain, Lara! Qu'est-ce qu'on va faire? C'est moi qui leur ai montré la route. Si la source divine existe, il faut qu'on la trouve avant eux. Alors en route pour la Sibérie. N'essaie pas de me retrouver. Je dois faire ça toute seule. Faut que je trouve un abri. Alors, deux remarques. Je crois qu'il y a des fautes dans le sous-titrage. Il y a des fautes dans le sous-titrage. Et ensuite, pourquoi est-ce que ces abrutis ne sont pas capables de tirer le mec à un Lara a un type qui a voulu la buter. Elle a un flingue dans les mains et elle le regarde en train de réfléchir s'il va s'enfuir par la fenêtre. Tu lui tires une balle dans le crâne, problème réglé. Bon, on se retrouve dans le prochain épisode. Je vais arrêter là, sinon l'épisode va être encore un peu long. Et puis en plus, ça fait 50 minutes de let's play où il y a des soucis techniques que je n'ai pas anticipé. Donc voilà. Notre partenariat avec Nvidia nous a permis de rebousser les limites des performances graphiques grâce à une technologie de pointe. Ça va le suçage de bits? On s'en sort bien là? Excusez-moi. Je disais donc, je vais régler tous ces petits problèmes techniques. Je vous retrouve très vite pour le deuxième épisode. Je vous fais des bisous, je vous dis ciao les gens.